Shalom Uvracha, concernant la terre d'Israël, nous avons une liste de cours sur Israël Torah qui traite de ce sujet tellement important à notre époque essentiellement. Et l'une de ces références, c'est ce que dit la Gemara dans Baba Batra à la page 158, page 2. Avira de Eretz Israël Markim. L'air de la terre d'Israël donne la sagesse, rend sage. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que nous sommes plus sages ici qu'ailleurs? Bien, il faut comprendre en réalité d'où vient la notion de Chaim, d'où vient la notion de vie et d'où vient la notion de Chochma. Or, le roi Salomon nous dit la combinaison de ces deux notions. Ve'achochma techaye et pe'alea. C'est-à-dire que si tu veux savoir si quelqu'un est vivant, ben c'est qu'il est sage. Or, si la terre d'Israël rend sage, c'est qu'elle te rend plus vivant. Donc, lorsqu'on vient sur la terre d'Israël, c'est ça que la Gemara est en train de nous dire, on revient tout simplement à la vie. Parce qu'on touche la sagesse divine qui réside sur cette terre. Alors, vous allez me poser la question, ça ne se voit pas peut-être directement. Mais pour cela aussi, il faut s'acheter, il faut acquérir une vision profonde des choses. Parce qu'effectivement, au premier degré, tu peux ne pas voir les choses. Mais tout simplement parce que tu n'es pas au niveau de l'œil qui, lui aussi, dans la Kabbalah, est synonyme de sagesse et de vie, car les yeux sont le miroir de la Neshama. Donc si tu veux voir réellement les choses, il faut que tu pénètres les choses, il ne faut pas les voir au niveau superficiel. Et en pénétrant les choses, tu verras qu'en réalité, il y a un supplément de vie, un supplément d'âme sur la terre d'Israël. Ce n'est pas par hasard que cette terre s'appelle Eretz HaChaim, la terre des vivants. Et aujourd'hui, avant Rosh Hashanah, où tout le monde a envie d'être inscrit dans le livre des vivants, eh bien, il vous reste une seule chose à faire, c'est d'abord d'arriver sur la terre d'Israël. Toda Rabba.